ta soeur qui te cherche partout. T'es plus capable de répondre au téléphone maintenant. J'ai rien à lui dire. Ah ouais, moi j'ai un truc à te dire. J'imagine, ouais. Écoute-moi. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? T'es complètement inconscient ou quoi? Tu te rends compte que t'as failli refiler le sida à ma soeur? On s'est protégé, il se passera rien. Je m'en fous! Putain, je sais pas ce qui me retient de t'en coller une. Ben vas-y. Mélanie m'a dit, je suis devenu fou, j'ai pensé qu'à sa mère. Je comprends. Qu'est-ce que tu fais là? Je préfère me tirer avant qu'on me foute à la porte, tu vois. Mais arrête, personne va te mettre dehors. Arrête, je te dis, arrête! Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Fallait nous parler, dès que t'as su. J'ai pas pu. Je voulais pas y croire. Je me disais que c'était pas possible, que c'était dégueulasse, que ça m'arrive là, maintenant. Mais bien sûr que c'est dégueulasse. Mais ça arrange pas les choses de faire autruche. Je suis désolé pour ça. Je sais, je sais. Je déçois tous ceux qui me font confiance. Monsieur Ekoba, la famille, Sanya. J'aurais juste crevé. Dis pas de conneries. Dis pas de conneries. Tu vas pas crever. Tu vas te soigner. Ok.